to grow my business now to succeed in school. At MTN, 5 francs not a miss road. When your internet bundle runs out, you are not charged. Your airtime remains as it was. Yes, so it remains with MTN. Renew your internet bundle whenever you want. Dial *157# and enjoy internet on the fastest network without stress. Just play MTN, officially Cameroon's fastest mobile network, according to Ookla speed test. Welcome back. You're watching Good Morning Cameroon on STV. It's a 7:30 sharp, and it's time for us to look at what the newspapers are saying today. New newspapers said that will be flying or hanging on newspaper stands around the national territory this Thursday morning. So, Chris, I'm going to handle the first part of the press review. It's going to be in the English language. I only have two newspapers with me this morning, so I'm going to begin with the Guardian Post Daily of today, and let's see the big stories on the front page. UN Security Council under pressure to intervene in Anglophone crisis. The Guardian Post writes, Council accused of neglecting escalating armed conflict in Northwest and Southwest. And you can read up some more on this story on page three, of the Guardian Post Daily of this morning. Still on the front page of the news paper, the armed conflict in Northwest Southwest, the editorial this morning, time for MPs to prove their independence. You can get the viewpoint of the Guardian Post Daily in this story that appears on page 4 of the newspaper. Port Authority of Douala seals deal to boost trade. That you'd find on page 5 of the newspaper. Also, you can read up on this other story. Jikam decries high cost of locally produced basic commodities. That one appears on page 2. This human interest story, I'm going to read it out to you. To avoid talking to wife, man pretends to be deaf, dumb for 62 years. It's almost unbelievable. But anyways, if you want to get the details of this story, you have to go to page 3 of the Guardian Post Daily. And on a very sad note, the Post reports on the death of the CRTV journalist. It writes, CRTV journalist com newspaper publisher dies. And you can read that up on page 3 of the newspaper. Let's now turn our attention to the Post Weekender for this weekend. You know, it will cover Thursday, Friday. Let's see the main one on the front page of the paper. Young Atanganji, others accused of exploiting IDPs. That's what the paper claims on its front page. It adds, manipulating women to support stands against secession. And on the front page of that paper, you'd find the picture of the pictures of the persons concerned, that is former Prime Minister Philemon Yang and Atanganji. And the caption says, was their mobilization of IDPs for March past to make political capital? That's the question under those pictures. And you can read up on this story on page 3 of the Post Weekender. Other stories on the front page of the paper. Hospital officials reject SDO's bloody assistance, in quotes, to IDPs. You want to know which hospital officials, and definitely what SDO is concerned with this story, you have to get a copy of the paper and go to page 5. Other stories that we find on this on the front page of the Post Weekender. Councils, banks invited to financial market training in Douala. More on page 9. And in football, Irate AFCON project workers besiege governor's office. More on page 5. And now let's turn our attention to the reporter today. And let's see the main stories, of course. The reporter of this Thursday, March 14, 2019. The main stories on the front page. March opening session, escalating Anglophone conflict. Honorable Honorable Fobi Chinda
Simon chastises elder member for biased declarations, distances SDF party from such declarations. And the paper continues, calls on belligerents to embark on immediate ceasefire, endorses inclusive dialogue facilitated by international community. And the paper also says, draws the attention of international community to the urgency of humanitarian intervention to stop bloodbath and, reinstate minimum conditions for human existence. And you can read up some more on page 3 of the paper. Still on the front page of this newspaper, the reporter quotes, makes this quote, I'm going to read. Anglophone crisis, Paul Biya is very empowered to stop the crisis without the military and even without any intervention of foreign peacekeeping forces. And of course, the paper is quoted. I don't know why the name just escaped my mind. It's a very popular name. Oh boy. Well, it skipped my mind. You have to go to page 7 to get the details of that story to know where exactly the paper is quoting. Cooperation, Cameroon Customs signs protocol agreement with Laga. That's what the paper tells us on page 9. So you have to flip to that page to get the complete version of the story. USA Cameroon Thibault Nagy's diplomatic gaffe exposes dubious links with Cameroon opposition. That's what the paper is claiming. And if you want to get their stance on the story, you're going to have to get a copy of the reporter and flip to page 6. Still on the front page of reporter, this story by Lincoln Commission clocks two. What bill bought this far? That's a question asked on the front page on the paper. And if you want to get it, the details, you have to go to you have to flip to the inner pages of the paper. But Nasich, you were saying? Ask me something. Oh yes, this. I'm trying to remember. I don't know why the name has just escaped me. Not definitely. No, certainly not. The barrister. Yes, from Halle, something like that. Nico Halle. How can Halle. I? Gosh, there are monies like that. You know, when I was reading the story on that appears on page 7 of the reporter talking about the Anglophone crisis and the quote, I was actually going to say the paper is quoting Nico Halle, but I just, you know, the name just escaped my mind. Yeah, it is like that. Well, do I get a copy of Cameroon Tribune, guys? No, it's not available today. Okay, so we don't have a copy of Cameroon Tribune today. Well, that's going to have to do it for this first part of the Press Review. Good Morning Cameroon. We'll now turn attention to the second part with Nassis Moto and Christian Womé. Bien sûr. Dans cette deuxième partie consacrée aux journaux parus en français, il sera exceptionnellement en question d'une seule partie. Celle de la revue transversale. Alors, la question de l'opération Épervier sera évoquée, l'arrestation de Mebengo. Jusqu'ici, on en reparle. Et il s'agira également de la coopération Cameroun-États-Unis et aussi de la crise anglophone et même l'affaire Maurice Kamto est au menu de cette première partie. Tout à fait, hein, tu l'as dit, ce sera one way ce matin, c'est pour ça ne dépend pas de nous de toute façon. Mais on va quand même vous livrer la quintessence des faits d'actualité abordés par la presse ce matin. On commence avec le messager qui s'est intéressé au rapport Cameroun-États-Unis d'Amérique à la page 3 et le journal de s'interroger à quand la fin de la brouille. Pourquoi l'arrivée de Peter Thibault Nagy met en branle le régime Biya. C'est ce que le messager veut bien comprendre. Le journal les invite ce matin en kiosque pour en savoir davantage. Infomatin en parle également. Il y a un rapprochement avec la présidentielle de 2018 et le financement de l'opposition. L'ambassade des États-Unis défend Thibault Nagy et réagissant à la publication de Info Matin de mardi dernier, le porte-parole de cette représentation diplomatique soutient également dans son droit de réponse que s'agissant du scrutin du 7 octobre, le pays de Donald Trump n'avait de préférence pour aucun candidat. C'est indiqué en page 4. Et puis le journal Aurore Plus en parle également ce matin. C'est d'ailleurs ce qui barre la grande une de ce journal. Cameroun, États-Unis, une visite d'État sous le signe de la provocation et du non-dialogue et non du dialogue. C'est ce que le journal nous dit donc ce matin.
Et puis, il y a aussi cette autre information que la presse a bien voulu partager ce matin, c'est au sujet de l'opération Épervier. La nouvelle expression en parle également. Opération Épervier, mais bingo, lâchée par les siens. Dans une motion de soutien à Paul Biya, les hommes politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais du Sud saluent la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics au lendemain de l'incarcération de celui qui était considéré du temps de sa splendeur comme l'étoile du Sud. Et le journal de revenir sur cette citation biblique, vanité des vanités, information contenue en page 3. Cameroun Tribune, plutôt le Cameroun Matin, devrais-je dire, parle donc de cette déclaration de l'Union européenne sur, sur la situation sociopolitique du Cameroun. Les clarifications de René-Emmanuel Sadi sont donc à découvrir en page 15 dans le journal Le Cameroun Matin. La même information est donc distillé par le détective de ce jour. Affaire Camto, crise anglophone. René Emmanuel Sadi corrige la copie de l'Union européenne. D'après ce journal, en réponse à la déclaration intitulée « Détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun » à travers laquelle Federica Mogherini fait part de ses inquiétudes sur la situation politique et sécuritaire au Cameroun, le gouvernement camerounais, à travers la voix du ministre de la Communication, se montre plutôt rassurant. Information contenue en page 3. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin. Reparlons donc d'autres faits avec le messager à la grande une. On peut lire ce matin, grève des gilets jaunes en France. Plus de 200 millions de francs CFA des pertes chez les exportateurs d'ananas. À cause de ces manifestations publiques qui s'éternisent, plusieurs vols ont été annulés. Les partenaires en France n'arrivent pas à revendre les produits, obligeant beaucoup à fermer la boutique. C'est en page 5 cette information. Info Matin nous amène à l'Assemblée nationale pour parler donc du Sénat et des sénateurs et des députés. On peut observer avec ce journal un statu quo. D'après ce journal, l'élection des bureaux des deux chambres a lieu donc ce jour et des indiscrétions qui filtrent des couloirs de la présidence de la République indiquent que le chef de l'État, par ailleurs patron du parti au pouvoir, a, sauf changement de dernière minute, reconduit les mêmes personnes au même poste. C'est en page 3 et le journal qui nous invite donc à lire sa petite analyse sur cette question, attendant bien sûr l'élection dans les deux chambres ce matin. La nouvelle expression s'est intéressée également aux douanes camerounaises. Quand Motazé traque les voleurs, c'est en page 5 jusqu'à la page 8. C'est un dossier qui est consacré. Le ministre des Finances vient de lancer une vaste opération qui vise à opérer des vérifications sur les recettes des 9 secteur des douanes du Cameroun, les réserves du SIF, à découvrir donc en page 5 du journal La Nouvelle Expression, qui ne s'est pas également empêché ce matin de nous amener du côté de l'ouest du Cameroun et plus précisément à Bafoussam Premier. Là-bas, on parle d'un maire rebelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui s'obstine donc à apporter du changement. Il s'agit ici de Jules Hilaire Foka Foka, qui, d'après lui, s'il faille, n'est-ce pas, adopter cette posture de rebelle pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui l'ont élu, il ne fléchira donc jamais. C'est une information qui est contenue en page 4. Le Cameroun Matin a bien voulu qu'on soit également édifié sur la relation port-ville. Et à ce sujet, on peut parler donc du port autonome de Douala et la ville de Bordeaux, désormais en symbiose. Les indications sont donc apportées en page 8 ce matin. Rendez-vous en kiosque. Le journal qui parle aussi du ministre des marchés publics, Brahim Talba Mala, qui, d'après le Cameroun Matin, met déjà de l'ordre. On va rappeler qu'il est dans la capitale économique Douala pour la visite de chantier de la CAN, notamment le stade de Japoma et d'autres projets engagés par l'État du Cameroun, notamment la construction de logements sociaux. Il en est encore là. Il est encore dans la capitale économique. Des travaux et donc vont se poursuivre aujourd'hui avec quelques responsables. Puis on s'intéresse aussi au journal du détective qui ne s'est pas seulement empêché de parler de l'affaire Maurice Kamto et de la crise anglophone. Le journal a bien voulu nous amener du côté de Cameraï, ici même à Douala. Le journal indique à ce propos que cette entreprise est spécialisée dans le voyage
Espacé, donc, dans le transport ferroviaire, s'est doté de 5 nouvelles locomotives. Il est question donc d'améliorer, n'est-ce pas, le service de Cameraille. Les précisions sont indiquées en page 5. Défi actuel, s'est intéressé aux dépenses publiques. Dans l'une de ces pages, ce matin, on parle du MINFI, le ministre des Finances, qui impose la rigueur, et ce, dans un contexte marqué par la chute des recettes du fait de la baisse du prix du pétrole. À ce sujet, donc, le ministre des Finances instruit de veiller au strict respect de la discipline budgétaire au sein des administrations. Une enquête a été menée par ce même journal. L'État qui aurait donc été pris au piège des importations du riz et du poisson. Et comment aller le savoir en kiosque ce matin. Cette information est contenue en page 6 et 7 chez nos amis de Défi Actuel. Baromètre communautaire en deuil comme la plupart des médias du Cameroun. Ce à la suite du décès de la journaliste Mélanie BTB qui était donc employée à la Cameroun Radio et Télévision. Le journal nous dit ce matin qu'ils sont sans voix. Rendez-vous en kiosque qui était donc Mélanie BTB. Toute une biographie est à découvrir chez nos amis de Baromètre communautaire. Financier d'Afrique. Ce bi-hebdomadaire nous amène donc à la Banque centrale, en Afrique centrale, pour indiquer ce matin que les banques de la CEMAC seraient donc vulnérables au choc pétrolier. 40% des réserves peuvent être affectées au bout de 2 ans à l'issue d'un choc négatif et persistant sur les prix du pétrole. C'est en page 3 cette information. Et comment ne pas également parler du programme économique et financier, toujours avec nos amis du financier d'Afrique. Ici, les questions de s'intéresser aux perspectives favorables pour les pays de la CEMAC. C'est en page 11 de cette information. Et on sort de cette revue de la presse avec le quotidien de Chili Économie. Et que se passe-t-il donc au Cameroun? On peut déjà parler avec ce journal de la pression pour la ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Quelques points ont été évoqués par ce quotidien. Tout d'abord, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique qui engage désormais un plaidoyer sur l'urgence du gouvernement à faciliter l'entrée en vigueur du processus d'intégration commerciale et économique en Afrique. Et puis, un dossier désormais introduit dans le circuit de la présidence de la République. Les précisions, c'est en page 2. On parle aussi du FIAD 2019, toujours avec le quotidien de l'économie, le Maroc qui accueille donc le Cameroun en pays d'honneur. C'est en page 4. Et en page 3, le journal s'est intéressé à l'économie numérique. Huawei qui livre la première cuvée des enseignants certifiés. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir ce matin de la revue de la presse. Merci beaucoup. On a fait un objet ce jour, donc une seule partie. Et vous en avez donc la quintessence. Maintenant, à vous de partir dans les kiosques à journaux, acheter le journal dont la une vous aura intéressé ce matin, amis téléspectateurs. Narcisse, le rendez-vous est pris pour demain. Inch'Allah. On le raccompagne en musique, non, Narcisse? À demain. Au revoir. Au revoir. Bonne suite. Merci.